Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à ce live Facebook. Dans celui-ci, je vais vous expliquer comment valider un marché en 36 heures. C'est ce que j'ai réussi à faire avec un de mes produits, c'est l'année dernière. Je vous explique un petit peu le contexte. Des clients m'ont demandé de créer une formation sur un outil et je n'avais pas du tout l'intention de le faire, tout simplement parce que j'avais déjà fait la version 3, la version 5, la version 7, la version 8, et j'avais pas envie de me lancer dans la version 9 parce que cette version avait déjà n'avait pas vraiment évolué beaucoup à mon sens. Donc j'avais pas vraiment l'intention de faire une formation, une formation vidéo tutoriel sur cet outil. Et puis un matin, j'ai reçu un mail d'un collègue qui me proposait une précommande de sa formation. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de tester cette façon de faire. J'ai regardé comment il a fait et j'ai adapté sa façon de présenter sa précommande à ma manière, auprès d'une petite liste que j'avais. Et puis, donc non client et non intéressé par ce produit, et aussi sur Facebook. J'ai donc créé un email. Et en 36 heures, j'avais atteint l'objectif. C'est-à-dire que mon objectif était de faire 25 précommandes à 47 euros. Si vous faites le calcul, eh bien, ça fait 1000 euros de chiffre d'affaires hors taxes. C'était mon objectif. En 36 heures, cet objectif était atteint. Je savais donc qu'il y avait un marché en face de cette formation. Comme dans la précommande que j'avais mis en place, eh bien, je proposais un an, un mois, excusez-moi, pas un an, un mois de délai, eh bien, cela m'a permis pendant 3 semaines de créer cette formation tranquillement sans être stressé. Ça m'a pris beaucoup moins de temps, bien évidemment, mais c'est pour vous dire que même si vous êtes débutant et que vous faites ceci, en 15 jours, vous pouvez savoir si vous avez un marché en face de ce que vous avez à proposer. Et si c'est le cas, eh bien, vous allez avoir 15 jours à 20 jours pour créer votre formation. Et ça, c'est réellement quelque chose de très intéressant. Alors, tout cela, je vous l'explique dans une. Alors, tout ça, je vous l'explique dans une conférence, et vous allez pouvoir ainsi valider ou non une idée, je ne dis pas un produit, mais bien une idée, et vous allez pouvoir de cette façon vous lancer ou non. C'est-à-dire que pour un de mes produits que j'avais fait, j'avais décidé d'avoir, je crois, 50 personnes, et je n'en avais eu que 35, et bien j'ai remboursé les 35 personnes. Mais j'ai fait une petite action commerciale auprès de ces 35 personnes qui m'a rapporté beaucoup plus que si j'avais fait beaucoup plus de précommandes. Mais tout cela, j'en parle dans la conférence. Vous allez trouver le lien au niveau des commentaires en dessous. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez pour cette conférence et je vous explique tout. Je vous donne le processus et je vous explique l'étude de cas. C'est-à-dire qu'à la fin de cette conférence, vous serez en mesure. Je dis bien, vous serez en mesure de faire la même chose que ce que j'ai fait et ainsi valider votre produit ou votre idée. Voilà, on se donne rendez-vous très prochainement dans cette conférence et je vous souhaite une excellente journée. Bye!